Des pâtisseries en veux-tu en voilà, des couleurs flashy, c'est ce que propose cette nouvelle boutique qui vient d'ouvrir ses portes Place d'Armes à Valenciennes. De quoi ravir les plus gourmands. À l'initiative du projet, deux anciens boulangers qui, durant le confinement, ont fait le choix de changer de vie en ouvrant leur propre coffee shop à l'américaine. Pour nous, ça n'a plus du tout relation avec ce qu'on faisait en boulangerie-pâtisserie. On voulait vraiment se changer, se remettre en question. Pour les accompagner dans leur projet, le couple s'est laissé séduire par la jeune franchise Miss Cookies. Fondée il y a maintenant 11 ans, l'enseigne française compte aujourd'hui près de 14 établissements et a pour ambition de s'étendre sur tout l'Hexagone. Pour fidéliser sa clientèle, Miss Cookies met l'accent sur le côté familial et convivial. C'est vraiment de partager le sourire avec les équipes, avec nos clients, et on essaie vraiment de créer une vraie relation. Je pense que c'est ça le petit plus de notre enseigne. C'est vrai que c'est un esprit hyper chaleureux et je me retrouve vraiment là-dedans. L'enseigne se distingue par ses couleurs vives et son désir de s'ancrer dans l'air du temps, mais aussi dans le quotidien des Valenciennois. C'est ce côté jeune et tendance qui a convaincu Carole et Olivier. Ils sont à la pointe de la technologie, tout ce qui est réseaux sociaux, franchement, c'est ce qui nous a séduit, quoi. La modernité de l'enseigne. Un concept qui cartonne aujourd'hui et qui persiste grâce à des produits attractifs. Ça peut être du sandwich froid, chaud, panini, américain, des donuts, des muffins. Un des produits phares de Miss Cookies est le bubble tea. Une boisson originaire d'Asie, à base de thé et de perles de tapioca, très populaire auprès des clients. Une semaine après son ouverture, la boutique était déjà victime de son succès. Ce que retiennent les clients, c'est le côté chaleureux de la boutique et du personnel. C'est sympa au niveau de la déco et du choix des propositions, je trouve qu'il y a pas mal de choses. Et la patronne, elle a envie de vous raconter un peu son histoire, elle est hyper enjouée et ça fait plaisir à vous poser. Et je pense que c'est aussi le côté chaleureux qu'ils veulent donner à l'enseigne. Un excellent départ auquel ne s'attendaient pas les gérants. On est au-delà de nos espérances. Pour nous, pour l'instant, tout se passe mieux que prévu encore. Donc pour nous, c'est que du bonheur. L'avenir de la boutique semble déjà très prometteur. On ne sait pas vous, mais nous, on adore déjà.